Ceci est un weekly vlog, mais pas vraiment weekly. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas vraiment tourné sur une semaine, mais sur deux. Donc je sais pas si je dois appeler ça un petit weekly vlog. MDR. Bref. Bon visionnage. Attendez. Alors, je vais prendre la bouteille de bière si ça peut être comme trépied. Yo! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je sais pas trop ce que je vais faire. Non, ah oui, je sais ce que je vais faire. Je dois faire des courses. Je dois faire des courses à Auchan aujourd'hui parce que j'ai plus rien à manger. Je dois faire des courses et je dois monter une vidéo parce qu'hier il y avait des fiançailles, donc j'ai filmé des fiançailles et tout. Je dois faire le montage, etc. Et je dois aussi avancer sur mon projet professionnel. Ouais, ça c'est moins fun, mais on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. Pourquoi je fais que taper les mains, wesh? Ok, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et ça va péter. Bon, ça va péter de ouf parce que c'est pas un programme de ouf non plus. Le outfit du jour, j'ai nommé un petit crop top velours façon, un jean oversize, des AG1 vite fait. Ça c'est l'outfit du jour et on espère que tout va bien se passer pour le vlog. J'espère que ce que j'ai en tête, ça va bien se passer et tout et tout. Mais voilà l'outfit du jour et on se retrouve. Non, on y va, c'est parti. Les amis, on dit quoi? Ça raconte quoi? Ça raconte quoi? Ouais, le masque là, obligé, hein. Il y a le Covid et tout. On garde le masque là, on s'amuse plus. Donc, ouais, je vous avoue, ça fait longtemps. J'ai pas vlogué. Pour être honnête, en fait, je sors d'une période assez floue, compliquée de ma vie là. Et purée, j'ai oublié mes lunettes, purée. Ah ouais, on peut pas être aussi... Comment je peux sortir, j'oublie mes yeux en fait là, c'est pas possible. Mais vous aussi, vous me voyez sans mes lunettes, personne me dit pourquoi. Personne me dit genre, va prendre tes lunettes, vous êtes pas bien. Bon, comme je disais dans les amis, ouais, mentalement parlant, c'était un peu chaud récemment. Et je pense que de la même manière qu'on prend soin de notre corps, qu'on prend soin de notre santé physique, notre corps et tout, de la même manière aussi on doit prendre soin de... Oh là là! Et ça, Dakar, il y a les motos, il y a les chevaux, il y a tout. On doit prendre soin de notre santé mentale aussi. Donc la santé mentale, c'est très important. Très important. Prendre des pauses de temps en temps, ça fait du bien, surtout avec les réseaux et tout, c'est important. Bon là, je vais prendre le taxi pour aller à Auchan. Much later. Est-ce que je vais prendre un chariot juste pour mettre mon sac totalement, même si je vais pas acheter beaucoup de choses, je prends un chariot. En fait, on arrive là dans mon rayon préféré, ce sont les céréales. Faut savoir que moi, j'ai une addiction aux céréales. Non, en fait, tu peux manger tout ça. Tu vois tout ça là? Tu peux manger ça en une semaine. Les amis, ne me jugez pas, ne me jugez pas. On a tous une addiction, non? On aime tous un truc un peu... Un peu de trop, ou bien je suis la seule? Je suis la seule, genre. Mais cet éternel débat comme quoi on met le lait avant les céréales, le céréale après le lait, là. En tout cas, je ne suis plus dans ce débat depuis longtemps.
parce qu'on mange depuis longtemps. Bon, update les amis. J'ai fait la connerie de faire les courses avant, de faire les courses en premier. Donc du coup, je dois aller déposer tout ça chez moi avant de continuer. Bon, là, je vais chez moi, je dépose ça et puis on ressort. J'espère seulement que je vais pas avoir la flemme de ressortir. Et je vais me changer aussi parce que oula, il fait super chaud. J'ai tout en noir et avec un col roulé en plus. Mais vous m'avez vu avec le col roulé, personne ne me dit quelque chose genre... Personne ne me dit genre, il fait chaud à Dakar, tu vas porter ton habit comme ça. Bon les gars, j'avoue, je me suis un peu perdue dans le vlog. En fait, quand je suis rentrée, j'ai appelé ma mère direct. On a parlé pendant peut-être 2 heures de temps comme ça. Hein? Ouais, on a grave parlé et tout. Et j'ai même pas vu le temps passer. Et j'ai vraiment la flemme de ressortir. Vraiment, j'ai envie de dormir. J'ai envie de faire une petite sieste. Vous voyez les siestes de l'après-midi là. Ou après, tu te réveilles. Des heures après, tu as l'impression que tu es dans un autre monde. Tu sais pas si on est en janvier, si on est en juillet. Donc, c'est ça. J'ai envie de faire ce genre de sieste-là. Et après, on va voir. Hein, on va voir ce qu'on va faire. Donc, on se retrouve après, après ma sieste. Hein? Je viens de me réveiller de ma sieste. Et... Il est trop tard les amis, il est trop tard les amis. Je suis fatiguée et là je m'apprête à faire du montage. J'ai filmé des fiançailles hier et je dois monter la vidéo des fiançailles et envoyer ça aux personnes concernées. Donc je m'apprête à faire mon montage. Je sais pas si je vais The next day. Bonjour les gars. En fait, je tourne. J'ai commencé un vlog lundi, mais c'était trop court, donc si je vais faire un weekly vlog, comme ça le vlog sera plus long, plus intéressant. Là, on est vendredi, donc je vais vous amener avec moi aujourd'hui pour ma journée. Déjà, je vais sortir, je vais aller faire mes ongles, et après on va voir ce qu'on va faire. Mais déjà, le programme d'aujourd'hui, c'est faire des ongles, travailler un peu, et voilà, hein. Allez, on y va. Outfit du jour, comme d'habitude, petit pantalon, non, jupe, jeans, enfin, désolé, j'ai pas de miroir, mes petites tapettes, un t-shirt noir. Rien de plus simple pour une journée au calme. Les gars, aujourd'hui là, je voulais pas vlogger, journée bizarre même, trop bizarre, donc... On va continuer le vlog le jour suivant. Désolé, oh, mais on s'attrape le jour suivant. Ouais. Je sais pas si ce sera samedi ou ce sera lundi. En tout cas, on s'attrape maintenant. Ouh. Ow. Sans aucune transition, on se retrouve le jour suivant. On est lundi de la semaine qui suit. Et j'ai commencé la journée déjà, j'avais des choses à faire, j'avais des démarches administratives à faire, des trucs de daron à faire là, tout ce qui est vie d'adulte et tout. J'avais tout ça à faire ce matin. J'ai fini la journée, tout a bien commencé, c'était super chaud, le temps vraiment, c'était super beau. J'étais super de bonne humeur et là, je vais retrouver mon pote, mon gars sur mon poteau, mon ma personne personnelle. Vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, donc je vous le présente plus. Donc on va se retrouver, on va essayer un peu de faire, de créer du contenu, un contenu intéressant. So, on se retrouve pour le vlog et là je charge mon téléphone parce qu'on va mon téléphone à plat. Et on se retrouve tout à l'heure.
Je vous ai pas montré l'outfit du jour. Outfit du jour. Turban. Façon femme africaine. It's simple. C'est simple. On ne se casse pas la tête. On va à corps. Ça va péter. Péter, péter. Retrouver Yankuba, vous avez dit c'est mon guest du jour et on va aller à l'île de Bord. S'il ne pleut pas bien sûr. Dis bonjour ici. Collection japonaise, sushi, Naruto, tu connais, mashallah. Et on va faire du pédalo. Bah, viens me dire à quoi consiste le pédalo. Bah, c'est simple. On va pédaler dans l'eau. Bruh. Mais je vais pas commenter cet extrait de la vidéo. Mais je vous amène avec nous. Pédalo time. Ma première fois parce que j'ai jamais fait. Yankuba lui l'a déjà fait. Et j'espère que je vais pas tomber. Je lui ai dit qu'il faut pas. En fait, Yankuba, viens. Moi, je sais pas nager. Toi, tu sais nager? Mais je sais pas sauver les gens. Est-ce que tu sais nager? C'est ça la question. Bon, en tout cas, moi, si je tombe, le vlog ne va pas sortir. Si le vlog sort, ça veut dire que je suis pas tombée. Mais si je tombe, this is fiole. Bon, les gars, on peut pas faire le pédalo parce que il menace de pleuvoir et ils ne veulent pas risquer nos vies en fait. Il risque de pleuvoir, donc pas de pédalo aujourd'hui. On vient faire le pédalo quand l'autre. Ça dépend de toi. Je suis fatiguée. Bon, j'ai faim maintenant. Sur nous, il n'y a même pas le signe d'un seul bateau qui vient comme ça. Tu vois tes choses, Yankuba. Ah ouais, s'il pleut là, c'est chaud. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night. And I'd like to know. It's bon. Je crois que c'est la fin du weekly vlog. J'espère que vous avez aimé le regarder. Ça n'a pas été facile pour le tourner parce que j'avais prévu des choses à faire sur une semaine. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Aussi, manque de temps, manque de moyens aussi. Vous dites la vérité. Hein? Et donc, on se retrouve bientôt pour de nouveaux vlogs. Je crois que je vais refaire le Poupy Daily Vlog, ce que j'avais fait en mai ou en avril. Donc, un vlog par jour pendant une semaine. Je crois que je vais le refaire bientôt. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux vlogs. D'ici là, portez-vous bien. Et bye bye. Oh, le temps. Le temps est très mauvais. Oh. I am sad and so dark.